C'est parce que l'art est souvent synonyme de liberté de création, de liberté d'agir, que j'ai eu envie d'explorer cette notion au travers de l'histoire des beaux-arts. Je suis né en 1969, diplômé d'école d'art en 91, artiste-sculpteur, un peu touche-à-tout, plasticien. Comme beaucoup de créatifs, je suis attaché à la notion de liberté. Je vous convie à découvrir autour de celle-ci combien il existe d'histoires méconnues, voire oubliées. Cet élan de liberté traverse toute l'histoire de l'art, et s'il est profondément philosophique, il sera surtout ici question de peinture, sculpture, d'art plastique, parfois de cinéma, et puis d'histoire politique. Parce que tout cela s'entremêle et s'entrechoque. N'étant pas un spécialiste, mais curieux de tout, c'est donc en tant qu'artiste que je vous invite à découvrir sur cette chaîne vidéo comme des coups de projecteur dans l'histoire, de l'Antiquité à nos jours. Bon voyage sur Art et Liberté.